Hey, c'est tout le monde, je se trouve pour une vidéo sur un tout nouveau serveur, Noelia. Alors oui, je vais encore chuchoter, voilà, parce que ma vie, elle se résume à ça. Bref, donc, le serveur, en fait, il a ouvert le 28 à 21h45. On me l'a conseillé, du coup, j'y suis allé, juste pour voir vite fait est-ce que c'est bien ou pas. Donc, peut-être que je vais pas y rester, mais peut-être que je vais y rester. Voilà, écoutez, je suis là pour essayer, tranquillement. J'avais trouvé un petit serveur, donc là c'est un launcher du coup, mais j'avais trouvé un serveur qui était pas mal. D'ailleurs, tout ce stuff là, c'est que j'ai tué quelqu'un, voilà. Donc je sais pas si je me suis mis bien dès le début du game ou pas. J'ai pas de fac, donc écoutez, on est bien. On est un peu à poil, mais c'est pas grave. Si vous avez des petits conseils à me donner pour le début et tout bordel là, bah donnez-le-moi, franchement, je suis preneur, écoutez. Bon, je viens de me reco parce que le shop me fait crasher des moments, c'est pas ouf. Voilà, donc simplement je sais que j'ai fait une erreur. Je le sais, mais j'en ai besoin. Oula, non, non, oula, non. Oula, non. Je veux juste en acheter 3, bro. Juste 3. Bah, on peut pas juste le dire 3. C'est pas possible. Ah, c'est compliqué. Ah. Bon, simplement, le temps que je règle, du coup, j'ai rejoint la mystique. Voilà, simplement, la base, enfin, les gens qui m'ont raid, du coup, vous avez pas encore vu la vidéo parce que j'ai pas encore fini mon dash et tout. Mais c'est les gens qui sont rentrés dans ma PvP sur Froze, voilà. Non, bref, je les connais un peu, ils sont pas mal au PvP, donc je pense que ça peut faire un large, très très bon début. Bref, du coup, on a accès à des spawners. J'ai posé vite fait tout le stuff que j'ai ici, hein, qui sert à rien. Très clairement, je sais pas en fait du coup s'il est vraiment bien ou pas ce stuff, mais du coup bah, j'espère, on va dire, qu'il est pas mal. J'ai vraiment la flemme de miner par contre, donc on va faire un truc, ça va être très simple. On va faire ça, et on va laisser enchanter au spawn après. Bref, le tout premier enchant et ouais, ça passe à moitié quoi. C'est bien, en même temps c'est nul à chier, mais bon, écoutez, c'est déjà ça de prix. Eh bien, ce que je vois, la fortune ne fonctionne pas du coup. J'ai voulu essayer vite fait, mais non, ça ne fonctionne que dalle. Bref, on va dire que je me suis mis à miner du coup pour essayer de découvrir un peu tout ce qui est minerai et tout. Même si je pourrais PVP pour obtenir du stuff, mais écoutez, je suis pas vraiment sûr pour le moment de faire ça. Hein. On va dire, je me sens pas encore assez bon ou quoi que ce soit, donc voilà. Simplement, voilà, du coup je vais juste miner. Je pense que ça va être la meilleure de toutes les solutions que j'aurai et la plus sécurisée. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce minerai? Ah. Ah, j'ai crash ou... Non. Qu'est-ce que c'est que... C'était quoi ce truc? Ah, c'est peut-être des minerais d'XP, peut-être. Ben, je peux pas les miner, parfait. Ah, attendez, là il y a un... Ok, là il y a plusieurs minerais. Il y a ça. Ok. Purificateur, ok, je sais pas ce que c'est. Il y a ça, et ça c'est des minerais d'XP, clairement. Ok, on est d'accord, c'est minerai d'XP. Ok, donc ça doit être du random or vu la gueule du truc. Du samarium, encore une fois du samarium. De l'hématite et de la redstone. Parce que c'était pas un minerai random. Mais bon, c'était bien quand même. Bref, là, objectif là pour le moment, ça va être d'avoir une petite smite 5. Qui serait plutôt pas mal du coup. Faire un spec 2. C'est nul, mais bon. Bref, vu que là c'est un début de launcher, ça va être énormément de farm et de découvertes du coup. Là pour le moment j'ai surtout du farm à faire, on va dire, surtout à propos des pigmen. Les pigmen qui vont devenir mes meilleurs amis le temps de 2-3 jours. Non, parce que là il va falloir que je farme du P4 et ensuite une machine à potes et ensuite à la limite du PVP. Mais aussi il y a le nouveau mob du coup que j'aimerais bien voir. Et là, il y a la machine de purification et tout que j'aimerais bien voir aussi. Il y a plein de trucs. Wiki, j'ai peur d'appuyer dessus vu que des fois je crache en cliquant sur le truc là, comme le shop. Bon, niveau enchant, j'ai pas de chance du tout. Mais alors pas du tout. Bref, je vais mettre tout ça là. Écoutez, du coup je me suis posé des petits coffres dans un petit endroit clem du coup. Je sais pas où poser mon stuff sinon en fait. De toute façon, c'est pas comme si j'étais riche, disons. En fait, la vidéo n'a pas trop d'objectifs, disons. C'est juste parce que je viens sur Nomelia MC. Enfin voilà, du coup, il n'y a pas MC à la fin, mais je l'ai rajouté. Faut pas le dire. Bref, en fait, c'est... Prochain épisode, là, on va aller visiter la nouvelle dimension, du coup. C'est ce que je prévois, là, tout simplement. Et là, en fait, premier épisode, c'est surtout la découverte. Donc, le wiki, je vais y aller, dans pas longtemps. Mais j'ai vraiment peur d'appuyer sur ce bouton et de crash. Mais je vais quand même appuyer dessus.
Ah non, ça va. Comparé au shop, ça fait pas crash. En fait, je cherche les petits blocs qui sont nouveaux. Comme simplement, j'ai trouvé des blocs il y a 2 secondes. Il faut juste que je redescende comme ces blocs-là, les blocs d'hématite, samarium, yttrium, voilà. Je sais pas si j'ai bien dit. Les antipistons, blocs aléatoires, blocs minerai d'expérience, voilà, comme j'avais vu. Obsidienne glacée qui est incassable, voilà. Radioactive, la roche radioactive, je sais pas à quoi ça sert. On va découvrir plein de choses. Bon, voilà, du coup, il y a les coves, il y a les fours. Il y a quoi d'autre? Roche améliorée, je sais pas à quoi ça sert. Le purificateur, faudrait voir. Underpearl en roche. Bloc de roche. Je regarde vite fait, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Non, c'est juste skin. Là, il y a toutes les armes. Katana, le katana. Alors, ça, je vais le vouloir rapidement. Le katana. Le plastron ninja. Le stuff ninja. Ninja effect. Morceau de tissu. Ok, la statue. La statue, comment là, je me demande. La pioche légendaire, je me demande comment là aussi. Il y a plein de choses dont je me demande. Là, c'est tous les livres, ok. Donc, par exemple, la statue, faut des morceaux de tissu. Faut tuer les ninjas pour les avoir. Il faut des pierres de cristal, mettre des glaces, et faut de la stone et une perle en Tahiti. Et comment on a cette perle? Il n'y a pas de craft, il n'y a rien, je ne sais pas. La poudre, pièce en argent, cuir doré, je sais pas à quoi ça sert. Morceau de tissu doré, pioche légendaire. Il y a plein de trucs qui m'intéressent beaucoup de savoir. Ok, il y a ça, ok. Le riz, la cosse. Ok, donc ça c'est graines de riz. Ok, il y a plein de trucs qui m'intéressent de savoir comment on obtient. Ah non, c'est des cookies normaux. Je vais mettre un peu de temps, hein, mais j'ai envie de voir. Ro bloc de roche, comment on l'a? Morceaux de roche qui sont très simples à avoir, hein, oui. Donc attendez, on va se crafter en fait. Roche améliorée, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas du tout. Bloc de décoration. Ok, donc attendez, faut faire ça. Ah oui, mais j'ai pas d'enderperle. Buisson glacé. Ok, radioactif. Ok, il y a plein de trucs qu'on va découvrir plus tard. Pendant ce temps-là, au moins j'ai plein de pics qui en spawn. Écoutez, moi bon, en tout cas, je vais me mettre bien. Et du coup, par contre, j'ai pas de chance niveau enchant. Donc, je pense que je vais vendre mon XP. Je pense que je vais faire ça pour le moment. De toute façon, c'est pas comme si on avait beaucoup de spawners. Ah, mais si, j'ai 7 Underpearls, je viens de les voir. Des Underpearls qui n'ont pas de cooldown quand même. C'est mieux que rien. C'est toujours ça de prix en vrai. Bah, attendez, on va les craft. En tout cas, j'ai regardé, ça c'est plutôt pas mal. Donc, je vais les vendre à. Je sais pas. Je sais pas combien je vais les vendre. Bah, je vais les vendre à 85, je pense. Ok, je pense que c'est pas mal. Par contre, on peut pas augmenter, non? Ok. Tant pis, on va tout mettre à 85. Je pense que ça va être le mieux. J'ai pas trop les prix en fait en tête, donc écoutez. Du coup, on va crafter tranquillement les petits trucs de roche là, les bidules là, les machins. En fait, je sais pas comment ils s'appellent déjà. Morceau de roche, voilà. Et après, c'est quoi? C'est ça? Non, c'est ça? Oui. Ok, donc attendez. Tac, tac, tac. Je pense qu'on va pouvoir faire une seule enderpearl de roche. Exact. Et bah écoutez, je vais la faire juste pour que ce soit un peu stylé. Voilà, la petite enderpearl sans cooldown du coup. Écoutez. Mon essai il est un peu rempli de tout et n'importe quoi, hein. Mais écoutez, ça fait déjà un truc de fait. Du coup, prochain épisode, on va aller voir la nouvelle dimension parce que j'ai vraiment envie de voir à quoi elle ressemble. Même si j'ai un peu peur du coup, mais écoutez, j'ai envie de savoir à quoi elle ressemble du coup. On va y aller, on va aller voir. Peut-être que je vais mourir comme un débile, sachant que j'ai un KDA de 1 du coup. Voilà. Bref, sur ce sera un épisode très 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 court. Mais bref, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Si c'est le cas, abonne-toi, like, et je te dis à une prochaine vidéo sûrement.